Doit-on forcément adhérer à un parti politique pour être élu à l'Assemblée nationale? Absolument pas. Pour être élu à l'Assemblée nationale, la seule condition à remplir, c'est d'avoir un maximum de voix dans ta circonscription. Que tu sois membre d'un parti ou pas, ça ne change rien, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucune obligation d'être membre d'un parti. Est-ce qu'il y a des sans-partis actuellement? Non, je sais pas, je crois pas. Alors, il y a ce qu'on appelle les sans-étiquettes, les députés qui ne sont dans aucun groupe. Ça veut pas dire qu'ils sont pas dans un parti. Puis parfois, c'est des partis au niveau local. Hein. Vous pouvez n'être dans aucun parti, mais être soutenu par des partis au niveau local. Genre, vous vous présentez en votre nom à vous, mais vous recevez le soutien du parti machin. Et vous êtes pas membre de ce parti, mais ce parti a décidé de vous soutenir. Sympa. Merci les gars. C'est quoi la différence entre un parti politique et un syndicat? Un parti politique, c'est une organisation de citoyennes et de citoyens qui se réunissent en association, en parti politique, et qui se donnent deux objectifs. Participer au débat public en élaborant des propositions et des critiques, et présenter des candidats aux élections pour défendre ces fameuses propositions. Grosso modo, pour faire très simple, un parti politique, c'est ça. Un syndicat, c'est une organisation qui représente des salariés ou des employeurs dans le monde professionnel. Un syndicat ne présente pas de candidats aux élections. Il n'y a pas de candidat CGT, il n'y a pas de candidat MEDEF, il n'y a pas de candidat CFDT, ce n'est pas leur job, ce n'est pas leur rôle, ça, voilà, ils s'occupent d'autre chose, les syndicats, ils s'occupent de ce qu'on appelle la démocratie sociale, et donc c'est dans le secteur professionnel que les syndicats vont représenter les salariés ou les employeurs, dans les organismes de co-gestion de la sécurité sociale notamment, ou dans tout un tas de trucs professionnels, dans les tribunaux professionnels, présenter des candidats pour les élections prud'homales, les élections professionnelles, donc présenter des délégués. FO, ils font pas les deux. Non, FO, ça veut dire force ouvrière, et c'est un syndicat, à ne pas confondre avec LO, qui veut dire lutte ouvrière, et qui est un parti politique. Mais c'est pas la même chose. Il y a pas des gens de droite dans les syndicats étudiants. Si, il y a des syndicats étudiants de droite. Encore une fois, les syndicats, c'est une organisation d'ordre professionnel ou assimilé. Je vais dire ça comme ça, pour pas rentrer dans le débat, est-ce que les étudiants sont des travailleurs? Les étudiants sont-ils des travailleurs intellectuels? Je vous laisse en débat, je m'en fous. Mais syndicat, ça veut dire organisation professionnelle. Hein. Grosso modo, pour vous le dire un peu simple, le rôle d'un syndicat n'est pas nécessairement de porter un discours sur l'ensemble des problématiques que traverse une société. Les syndicats, ça me fait un peu chier de le présenter comme ça, mais ça a le mérite d'être à peu près clair pour vous. Les syndicats se bornent à élaborer des propositions, des critiques et des propositions dans le monde professionnel. Donc en matière de droit du travail, en matière d'organisation des entreprises, en matière de répartition des richesses créées, etc. Une fois que j'ai dit ça, ça peut être de droite, de gauche, de diagonale. Hein. Il se trouve qu'en France, on a une culture et une histoire syndicale marquée par la lutte, le mouvement ouvrier, la lutte des classes, le marxisme et le socialisme. Donc on a tendance à identifier beaucoup plus à gauche. Mais un syndicat policier comme Alliance, par exemple, pas particulièrement de gauche. Hein. Syndicat de droite égale MEDEF. Le MEDEF, donc c'est le mouvement des entrepreneurs de France, est l'une des principales organisations patronales en France. C'est une organisation syndicale qui représente les employeurs et qui, effectivement, défend plutôt une philosophie de l'entreprise et une politique économique identifiée à droite. Syndicat de droite égale lobby. Non. Et les syndicats de copropriété. Et le syndicat du crime, alors. Y a-t-il une période où les syndicats en France furent puissants, genre vraiment puissants? Bah ça dépend ce que t'appelles la puissance, encore une fois, de quoi on parle. Oui, il y a eu une époque où le mouvement ouvrier était très puissant en France, jusque dans les années 50-60, on va dire, où t'avais des syndicats de masse, notamment la CGT. Il y a des syndicats dans des pays d'Europe du Nord qui ont une puissance différente, puisque ils ont beaucoup plus d'adhérents, ils participent à la co-gestion, à la co-direction. La puissance d'un syndicat ne se mesure pas seulement à son nombre d'adhérents, ni au nombre de manifestants qu'ils mettent dans les rues. C'est aussi la confiance que leur accordent les Français et les travailleurs, c'est aussi les résultats aux élections professionnelles. Et aujourd'hui, la CGT et la CFDT sont des syndicats puissants. La CFDT, c'est le premier syndicat des travailleurs du privé en France. C'est quand même pas rien. Enfin, c'est pas rien. Visiblement, pour Macron, ça vaut pas grand-chose. Mais ça, c'est parce que c'est sa manière à lui d'envisager le dialogue avec les corps intermédiaires. C'est quoi le rôle du CESE et quelles sont ses missions? En France, il y a une institution qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental, CESE, CESE, qui est une organisation prévue par la Constitution, qui ressemble à une chambre du Parlement, mais qui n'en est pas une, parce que si c'était une chambre du Parlement, ça veut dire qu'il participerait à l'écriture des lois. Le CESE est un conseil, pas une chambre, ce qui veut dire que c'est une institution qui va produire des rapports, qui va produire des suggestions, des préconisations, etc., mais qui n'a pas le pouvoir de faire la loi en France. Dans le langage courant, on dit parfois c'est la troisième chambre de l'État, puisque c'est une organisation, c'est une chambre qui représente ce qu'on appelle la société civile organisée, dans laquelle on fout tous les corps intermédiaires qui représentent les différentes organisations de la société civile. La société civile en France s'organise de son côté via des associations, des fédérations d'associations, via des organisations professionnelles, syndicats. Cette force vive, on appelle ça les forces vives de la nation, sont représentées dans le Conseil économique, social et environnemental qui a vocation à être saisi, soit par l'État, donc être saisi ça veut dire qu'on leur demande de produire un travail sur un sujet, soit c'est eux-mêmes qui s'autosaisissent, le CESE estime qu'il a besoin de travailler sur un sujet, donc ils s'autosaisissent, soit ils peuvent aussi être saisis par vous, par les citoyens, puisqu'il y a un système de pétition en ligne qui permet
aux citoyens de saisir le CESE en lui demandant de travailler sur un sujet. Et le Conseil économique, social et environnemental rend des rapports qu'il débat, qu'il travaille en lien avec toutes ces organisations de la société civile et dans lequel ils essayent de faire le point. On a vu des rapports du CESE sur le travail, par exemple, le rapport du CESE sur la participation citoyenne, sur le changement climatique, sur l'orientation, je m'en souviens, sur l'orientation scolaire. Voilà. C'est quoi la différence avec le Conseil d'État, du coup ? Alors, ça n'a rien à voir. Le Conseil d'État, pour le coup, c'est une institution de la République qui est à la fois une juridiction, parce que ce sont des magistrats qui siègent au Conseil d'État. C'est à la fois une juridiction qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif. En France, on a deux ordres judiciaires. On a l'ordre juridique, judiciaire, et l'ordre administratif. Donc, dans l'ordre judiciaire, vous savez, il y a les tribunaux d'instance, tribunaux de commerce, tribunaux de correctionnel, cours d'assises, etc. Donc les crimes, les délits, les vols, machin. Et puis vous avez les juridictions administratives qui s'occupent spécifiquement des contentieux entre la puissance publique, donc l'État, les collectivités, et les personnes privées, ou parfois entre les puissances publiques entre elles. Et donc les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont chapeautés par une cour suprême qu'on appelle le Conseil d'État. Voilà. Donc ça, c'est spécifique à l'ordre administratif. Et donc le Conseil d'État a ce rôle de juridiction, mais ça a aussi un autre rôle qui est celui de, comme son nom l'indique, de conseiller l'État, d'accompagner l'État dans la préparation de ses législations, et notamment dans la faisabilité juridique des législations qui sont anticipées. Donc typiquement, un ministre dans son bureau qui dit « Tiens, ce serait bien si on faisait une loi sur tel sujet », il va écrire ça sur un bout de papier, il va l'envoyer au Conseil d'État, et le Conseil d'État va dire « Alors, monsieur le ministre, si vous voulez faire une loi comme ça, vous allez avoir tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Et voilà ce que nous vous conseillons pour régler ces problèmes juridiques. Tac, 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 machin et tout. On passe par un décret, par une loi organique, par machin, par une révision du truc, de l'article, de machin, du truc, du contrat de travail, de machin, tout ça. Bref. Le Conseil d'État, c'est des juristes spécialisés qui vont à la fois accompagner le gouvernement et l'État dans la préparation des législations futures, mais aussi trancher les contentieux de l'ordre administratif. Le CE donne juste un avis. Bah, il donne un avis, mais dans son avis, il soulève des risques d'inconstitutionnalité, par exemple. C'est-à-dire que quand le ministre va voir le Conseil d'État en disant « Dis donc, j'aimerais bien faire une loi pour interdire aux gens de faire du skateboard », le Conseil d'État va lui répondre « Bah là, en fait, ça risque d'être inconstitutionnel, votre truc. Donc, faites ce que vous voulez, mais enfin, si vous passez outre notre avis, bah, vous allez vous retrouver devant le Conseil constitutionnel qui va vous dire « Bah non, c'est inconstitutionnel ». Vous pouvez pas dire que vous saviez pas, hein. Attention, le Conseil d'État n'est pas un organisme qui apporte un conseil d'ordre d'opportunité. Le Conseil d'État n'est pas là pour dire au gouvernement si c'est une bonne ou une mauvaise idée politiquement. Ça, c'est pas son job. Hein. Le Conseil d'État, ils représentent personne, ils sont élus par personne, c'est pas du tout leur job. Ils font vraiment du juridique. Les fonctionnaires, c'est quoi, c'est qui, organisé comment ? Oula, elle est longue ta question, les fonctionnaires, t'es marrant toi, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce sont des personnes physiques, avec deux bras, deux jambes, pour la plupart d'entre eux, qui sont investis, comme on dit, d'une fonction publique, donc qui travaillent pour l'intérêt général, pour le compte de l'État, des collectivités, parfois des organismes de sécu. Donc c'est assez facile d'imaginer les fonctionnaires, même les enfants arrivent à dire spontanément un fonctionnaire, bah, un policier, un juge, un militaire, une infirmière, un enseignant. Et d'un point de vue d'organisation, il y a trois fonctions publiques en France. Soit ils appartiennent à la fonction publique d'État, donc ils bossent pour l'État, typiquement les policiers et les enseignants. Soit ils bossent pour la fonction publique territoriale, donc ils travaillent pour les collectivités, la mairie, le conseil départemental, le conseil régional. Donc là, vous allez avoir, par exemple, des personnels qui travaillent dans les écoles. Et puis ensuite, vous avez la fonction publique hospitalière, qui est spécifique aux hôpitaux. Et là, vous allez retrouver les infirmières. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans le détail sur les fonctionnaires, parce qu'il y en a beaucoup de genres très différents. Mais retenez qu'ils sont investis d'une fonction publique, que le recrutement se fait par concours, principe d'égalité républicaine issu de la Révolution française, etc. Je dis ça parce qu'auparavant, sous la monarchie, les charges étaient transmises de manière héréditaire. Donc t'étais fonctionnaire parce que ton papa l'était. Tant vous dire que c'était pas les meilleurs. Hein. Ou parce que tu achetais ta charge. Oui, tu pouvais aussi acheter ta charge. Oui, c'est vrai. Tu pouvais payer pour devenir fonctionnaire à l'époque. Voilà, les fonctionnaires n'ont pas de salaire mais un traitement. Ils n'ont pas de contrat de travail, effectivement. Ils sont placés fonctionnellement sous une autorité. Ils ont un devoir de réserve, politique et religieuse, et philosophique. Est-ce que tu peux préciser le droit de réserve ? J'ai l'impression que c'est un peu à géométrie variable suivant les personnes. Bah, pourtant, c'est assez clairement défini et très encadré par le Conseil d'État, justement. Le droit de réserve, c'est un fonctionnaire qui agit et qui travaille pour le compte d'un organisme public a le devoir de ne pas manifester, dans le cadre de son travail, préférence d'ordre politique, confessionnel, philosophique. Par exemple, vous le savez, en application de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, les fonctionnaires sont tenus de ne pas arborer de signes religieux. Donc la kippa, le voile, la croix en pendentif, voilà. Tu peux nous rappeler comment c'était géré Paris avant qu'il y ait une mairie, avant qu'il y ait un maire ? C'était un préfet. On l'appelait le préfet de la Seine. C'était administré par l'État. En fait, Paris était administré par l'État, on va dire ça comme ça. En interne, il y avait quand même des conseils municipaux, etc. Mais la décision finale, c'était une décision préfectorale. Paris étant la capitale de la France, l'État français dirigeait Paris. C'était comme ça. Bah, le baron Haussmann, par exemple, typiquement, le baron Haussmann, préfet de la Seine. C'était pas la même ambiance que Hidalgo qui fait de la démocratie participative pour demander aux Parisiens ce qu'ils en pensent. Je dirais à l'époque, baron Haussmann, il prenait une carte de Paris, prenait un stylo rouge, il traçait une ligne droite, il disait bah ça, ce sera un boulevard. Donc tous les gens qui
qui habitent sur cette ligne, vous les expulsez de chez eux demain matin, c'est comme ça et pas autrement. Et après, ils pétaient les immeubles à coups de canon et tout. Bon, voilà, depuis, on a mis en place quelques démocraties, tout ça, on demande aux Parisiens, on fait des enquêtes de satisfaction, tout ça. C'est pas la même ambiance. Mais à l'époque, c'était... Ah bah, ça marchait à la schlag, hein.